Allez, allez. Hop, ça a l'air d'être bon. On est parti. Salut tout le monde. Alors on va juste. Voilà. Voilà. Donc salut tout le monde, c'est Jim. Donc on se retrouve pour un petit peu de. Ah, coucou extrême. Comment vas-tu? Matinale, dis donc. Tu me diras moi aussi. Bon, tu peux me dire si le son est bon, extrême, s'il te plaît. Parce que j'ai eu des petits soucis, j'ai testé tout à l'heure là, mais apparemment le son était pas top. Ah cool, je te remercie beaucoup. Cool. Donc on se retrouve sur un petit peu de Unity. Voilà. J'ai une petite idée, puis je voulais faire un petit test. Voilà, voir ce que ça peut donner. Alors j'ai travaillé déjà un petit peu de mon côté. Mais je voulais quand même le faire en live, alors du coup je vais reprendre un petit peu. On va repartir du début, c'est pas grave. J'ai pas fait grand chose, voilà. Donc c'est un asset qui est dispo sur Itch.io. Je sais pas s'il est dispo, je vais regarder vite fait s'il est dispo sur le Unity. De le Asset Store de Unity, mais je ne sais plus, non, apparemment non. Donc il est sur Itch.io. Tac, je vais vous montrer ça. On va aller dans les assets et on va faire tac 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 tac, toujours comme ça. Quand on le cherche, on ne trouve pas. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ce sont donc ces assets-là que je vais utiliser. Notamment le Medieval, donc Builder Pack. On a les animations des persos. Enfin, voilà, il y a de quoi faire un petit donjon plutôt sympa. J'aime bien le style graphique. Voilà, voilà. Donc on va bosser un petit peu avec ça. Alors, c'est parti. Donc voilà. Donc c'est pour le moment très basique. Hein, ça va rester. Tac tac. Le temps qui veuille bien compiler tout ça. Voilà. Alors, je vais vous mettre ça en grand, ce sera plus sympa. Voilà. Donc, j'ai une petite caméra basique, tac, pour les déplacements. Voilà. Et si on clique donc sur un, voilà, tac. Mais je vais expliquer, hein, j'ai fait les scripts. Mais je vais les reprendre. Tac. Voilà. Donc là, on voit ça, c'est les scripts. Hein, c'est, voilà.
C'est les coordonnées de chaque... chaque hexagone là, qu'on a. Et normalement, il doit détecter voilà, la mine. Quand on s'approche de la mine ou du château, en fait, il met un message dans la console. En fait, ça servira pour le menu. Donc, on fera apparaître le bouton, par exemple, pour aller explorer la mine ou rentrer dans le château. Donc, voilà. Donc, normalement, si je m'approche... Alors, si je suis d'une case à côté, hein, faut que je sois à une case adjacente de la mine. Et normalement... S'il veut bien y aller. Voilà, hop. Il a bien détecté la mine. Ok. Je vais regarder parce que j'ai un souci avec le. Alors, parce que le perso, en fait, a un. J'ai fait un détecteur, en fait, voilà. Donc, c'est la zone qu'on voit là. Qui permet, en fait, quand un objet rentre et qu'il a le tag interact, donc en fait il envoie un message dans la console, donc ça nous permet de savoir qu'il a bien détecté l'objet. Donc après on fera apparaître le menu en fonction de l'objet détecté. Le souci c'est que je pense que si je clique dans la zone du... Oups, à chaque fois je me fais avoir, je le sais mais je me fais quand même avoir. Quand je clique dans la zone du détecteur, eh ben, il ne fait pas le mouvement. Donc il faut que je règle ce petit détail. Bon, c'est pas très très grave en soi. Hein. On fera avec pour le moment. Donc, on va aller voir un petit peu le script. Donc on a le script mouvement player. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Unity, c'est en fait un logiciel pour créer des jeux qu'on appelle orienté objet. C'est-à-dire que on va importer des objets et on va leur donner des modules qui vont leur permettre de faire telle ou telle chose, d'avoir de la gravité, de pouvoir se déplacer, de voilà. Et on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Mais c'est ce qu'on appelle une programmation orientée objet. Voilà, pour le petit détail. Donc là, on a des références. Là, je fais une référence au NavMesh Agent. Alors, je vais considérer que vous connaissez un petit peu Unity, parce que si vous êtes là, c'est que vous devez certainement connaître un petit peu le truc, ou à moins que vous soyez juste de passage. Donc, le NavMesh, en fait... donc j'utilise le NavMesh. Alors on utilise généralement le NavMesh pour l'intelligence artificielle, pour pouvoir lui dire bah, où elle peut se déplacer et où elle ne peut pas se déplacer. Et là je l'utilise moi pour mon perso. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc c'est toute cette zone bleue qu'on voit apparaître là, en fait c'est la zone où le perso peut se déplacer. Voilà. Donc là on peut pas aller par exemple dans la forêt. Si je lance le jeu que je clique, eh ben, il n'ira pas dans la forêt. Hop, allez. Tac. Là. Donc si je clique sur la forêt, voilà. Il ne se passe absolument rien, il ne peut pas y aller. Voilà. Tac. Et donc ça permet de savoir où se déplacer au perso. Donc, hop, on va retourner dans le script. Donc là, c'est une référence au NavMesh agent, puisqu'en fait, si on regarde mon joueur, il a un NavMesh agent ici, voilà. Donc, il y a quelques configurations à donner, la vitesse de déplacement, la vitesse à laquelle il va faire ses rotations, donc à la vitesse à laquelle il va se retourner. Et puis on a 2-3 infos comme ça, l'accélération, le stopping distance, c'est la distance, on peut mettre une distance de sécurité. Par exemple, quand je clique, il va créer un point qui doit aller rejoindre, et on peut donner une marge de... pas d'erreur, mais une marge à laquelle il peut plus ou moins s'arrêter.
L'auto-brake, donc, il s'arrête automatiquement, voilà. Enfin, y a, après, c'est le radius et tout ça. Donc, on voit... Alors, je sais pas, ouais, si on voit bien. On a une petite capsule autour du perso. Enfin, si je m'amuse à faire ça, on va la voir, voilà. Tac. En fait, c'est ça qui va permettre au joueur d'éviter les objets, en fait. C'est la zone à laquelle il ne peut pas rentrer en contact, en fait. Et puis la hauteur. Voilà. Donc après, bah voilà, on a deux, trois petites infos, le pathfinding, qui est donc la recherche de chemin et tout ça. Voilà, voilà. Donc on fait référence à ça, puisqu'en fait, on utilise le navmesh pour se déplacer. Donc en fait, dans le script, je prends une référence pour pouvoir l'utiliser. Et étant donné que ça marche avec l'IA, il faut pas oublier de faire un using ici unityengine.ie parce qu'en fait si j'enlève ça, on va voir que normalement voilà, il me dit que le navmesh agent il y a un problème puisqu'en fait il est introuvable. Donc il faut qu'on fasse une référence au navmesh agent en disant que on utilise le unityengine IA. Ça, c'est l'animator. Donc, en dessous, on a une référence aussi à l'animator du player. Donc, l'animator, comme son nom l'indique, c'est pour les animations de notre perso. Donc, si je descends ici, voilà, et c'est, non, c'est pas lui, c'est le body qui l'a, il est où? Pourquoi c'est pas lui, comme? Ah, si, il est là. Autant pour moi. Oula. C'est le matin, c'est la fatigue. Voilà, il est là. Donc là, c'est l'animator. Donc, l'animator, comme je disais, son nom l'indique, c'est pour animer notre perso. Voilà. Alors, on verra un petit peu après pour l'animator, parce qu'après, il y a plein de petites choses à voir. En gros, donc, on a ici des animations à notre disposition, voilà, qui a été fait par la personne qui a fait le K-Kit. Qui a été fait par Kate d'ailleurs, qui est une femme qui vit aux Pays-Bas, c'est ça, Pays-Bas. Voilà, donc je dis, on a des animations à notre dispo. Ici, on a un entry, un any state et un exit. Donc, l'entry, c'est au moment où on va lancer le jeu, l'animation qui est reliée par ce trait là, qui est en jaune. Va être automatiquement lu. Donc là j'ai mis un idle puisque techniquement quand on lance un jeu, généralement le personnage, un, il est en pause d'attente, il a une petite respiration, tout ça. D'ailleurs si on lance le jeu, on va voir que si je sélectionne mon personnage, voilà, on voit que là il est en train de lancer le... Et on voit que notre perso, si on regarde en bas là, on voit qu'il y a une petite animation de respiration. Donc il joue son idle, comme on peut le voir là. Et si... on va aller dans le but, voilà. Donc après, on peut... Voilà, j'ai mis une animation de walk, et ici on a des flèches qui relient donc le idle au walk. Il faut créer un paramètre. J'ai créé un paramètre qui est un booléen. Donc en fait, qui est vrai ou faux. Voilà. Donc si on active, si on dit que walk passe à vrai, en fait, et ben cette transition-là va faire en sorte que l'idle va se finir et va passer à walk. Donc notre personnage va jouer son animation de marche. Ici on le fait, tac. Logiquement. Ah oui, puisque j'ai programmé le. Oui. Il faut que je le déplace. Et normalement, s'il veut bien. Tu veux pas te déplacer? Hello. Ah voilà. Ah là on voit, hop, il est passé en walk, et quand il s'arrête, et ben automatiquement, donc là on lui a dit l'inverse, en fait la flèche qui revient vers idle, si le walk est false, et ben on revient à idle en fait. Voilà. Ok.
Donc on verra un petit peu plus en détail. Après, on peut jouer sur pas mal de paramètres au niveau de l'animation et tout ça. On peut en créer aussi. En fait, on a ici une animation. Donc on peut sélectionner par exemple un objet et puis lui créer une animation. Ensuite, on peut utiliser avec un animator pour animer l'objet. Enfin, on n'est pas obligé de passer par un animator, on peut jouer l'animation aussi directement. Mais bon, ça c'est des petits détails, on verra plus tard. Je sais pas si on l'utilisera pendant ce projet, mais il y a des chances. C'est possible. On verra bien. Ok. Donc, on va retourner sur notre petit script. Voilà. Donc, je fais une référence ici, comme je disais, donc à l'animator. Ensuite, on a donc un void update qui est un peu une condition pour ceux qui me suivaient pour avec Construct. Bah, c'est un peu la même chose. Hein. Là, on va créer une condition. Donc, la condition, c'est l'update. L'update, c'est la fréquence de mise à jour, en fait, du code. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en 60 images secondes, un framerate de 60, eh ben, le code est lu 60 fois par seconde. Voilà. J'ai juste repassé mes barrières mon privé parce qu'elles sont CRS field. CRS field, en fait, ça permet d'afficher il est en train de compiler les modifs. Voilà. Quand on sélectionne notre player, on prend notre player mouvement ici. On voit player agent, player animator, ce sont les références, donc j'ai glissé juste le player dedans et automatiquement il va chercher donc son avmesh, puisque c'est lui qui le possède, et si je fais glisser le player, automatiquement il met l'animator. Voilà, on peut prendre l'animator aussi, faire comme ça, c'est pareil, puisque c'est sur le même objet. Voilà. Et le CRS field en fait permet de les afficher, parce que si... Alors il y a deux façons, soit on fait un CRS field parce qu'elle est privée et qu'on veut pouvoir accéder à la variable ou à la ref, là en l'occurrence c'est plus une référence qu'une variable, mais bon. Si je fais comme ceci, si j'enlève le CRS field, hop, on va le laisser. Voilà, on va voir que normalement le player agent devrait disparaître en fait. Donc on n'aura plus accès. Voilà, on n'a plus accès au player agent, donc on ne peut plus lui dire à quel objet on fait référence. Et c'est pour ça qu'on met un petit CRS field devant. Ou alors, sinon, il faudrait qu'on passe ceci en public. Voilà. Public, en fait, permet à la variable ou à la référence d'être accessible de partout, en fait. Et donc, si on va laisser compiler tranquille. Voilà. Et donc là, voilà, on voit qu'elle est réapparue en fait. Et ça marche pareil pour les variables, pour les références, pour voilà. Mais en l'occurrence, je vais faire comme ça, puisqu'en fait, ça, c'est des données auxquelles normalement on n'aura pas besoin d'accéder puisqu'elles vont être définies. Donc après, on peut enlever le CRS field, le laisser en privé et puis voilà. Mais là, pour le développement, c'est plus simple nous d'y accéder, parce que voilà, si on doit les modifier, si on doit, voilà, c'est plus facile que de retourner dans le script. Donc, j'en étais donc à mon update, oui. Donc la fonction update, donc comme je disais, ça va être, le code va être lu 60 fois par seconde si vous êtes en 60 Hz. Voilà. Et donc en fait, généralement, on met tout ce qui va être lu
ce qui a besoin d'être lu constamment. C'est-à-dire, par exemple, l'appui d'une touche. Il faut qu'on sache si le joueur appuie ou pas sur la touche pour faire l'action en conséquence. Donc, on a besoin de mettre ça dans une fonction update. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc je fais référence à mon player agent, donc qui est le navmesh. En fait, on a, en fonction du type avec qui, à quelle référence on fait, par exemple, donc là c'est un navmesh, en fait si je fais point, je vais avoir plusieurs options de dispo. Voilà, il y a plusieurs, on peut faire, et ce sera différent, par exemple si je fais référence, si je fais mon player animator point, je n'aurai pas les mêmes, puisqu'en fait l'animator et le navmesh sont différents forcément. Donc là je vais remettre mon petit distance, voilà. Donc là en fait je fais référence donc à mon player agent et je lui dis qu'il vérifie la distance en fait entre le player et le point d'arrivée en fait. Et donc si il est supérieur, ça veut dire que le perso se déplace puisqu'en fait il doit rejoindre ce point. Et donc en fait ce que je fais, c'est que je fais référence donc à mon player animator. Et dans l'animation, tout à l'heure dans l'animator, il y a eu que j'ai créé donc une variable qui est de type boolean, donc vrai ou faux. Je l'ai appelée walk, voilà. Et si c'est elle qui permet en fait de passer de idle à walk. Et étant donné que là, on sait que si la distance est supérieure à 0,01, du point à la distance du player par rapport au point où il doit se rendre, bah c'est que là il se déplace puisqu'en fait bah il est pas arrivé à la destination et comme ça on sait en fait voilà qu'il est en train de rejoindre, enfin qu'il se déplace, et donc du coup j'en profite pour mettre donc ma booléen de mon animator walk à vrai, et donc du coup comme elle passe à vrai, donc il va passer de idle à walk. J'espère que je suis clair, hein, parce que j'essaye d'être le plus concis possible, mais c'est pas toujours évident. Et donc là on lui dit que si la distance entre mon player et son point d'arrivée est supérieure à 0,01, donc on joue le walk, et sinon si c'est inférieur ou égal à 0, c'est qu'il est techniquement arrivé à son point, et donc on arrête de marcher, ce qui fait qu'on passe notre walk à false, et dans l'animator, comme ça passe à false, on revient sur idle. Voilà comment on gère un peu les animes. Voilà pour le déplacement du player. Notre petit bonhomme a aussi donc un détecteur, comme j'expliquais, hein, donc j'ai créé une zone de qui permet de détecter. Donc on va voir, on va ouvrir le script du détecteur. Donc là c'est très simple. Alors j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une sphère autour de mon player. Je lui ai enlever le mesh renderer, parce que si on crée un objet, voilà, on va créer une sphère. Tac, voilà. Donc là, j'ai ma sphère, je peux lui donner la taille que je veux, voilà. Et ici, on voit qu'on a un mesh renderer, ce qui permet en fait de tout simplement de rendre l'objet, d'avoir un rendu de l'objet. Et si on le supprime, du coup, notre objet devient transparent, puisqu'il en fait on a la sphère collider, donc on voit la zone de collision si vous voulez de l'objet, mais on voit plus l'objet en lui-même. Et donc c'est simplement ce que j'ai fait, j'ai juste supprimé en fait. Si on regarde dans le détecteur, il a bien une sphère mesh, mais il a plus le mesh renderer. Et donc on a, comme je disais, une sphère de collision. Alors, les colliders, on en a de plusieurs types. En fonction de si on travaille en 3D ou en 2D, on en aura plus en 3D qu'en 2D. Donc ici, si on fait un add component, donc si on va ajouter un composant à notre objet,
C'est ce que je vous disais, Unity, c'est orienté objet, c'est-à-dire qu'on va importer un objet et après on va lui mettre ses modules, donc ses composants, pour lui donner des capacités, faire de la lumière, faire se déplacer, avoir de la physique, voilà. Donc là, si on cherche pas Volider mais Collider, voilà. Si on cherche Collider, voilà. Donc là, on a par exemple une box Collider. Alors, quand c'est pas précisé, c'est que c'est en 3D. Sinon, on a en dessous le box Collider 2D. Voilà, là, il nous dit que il faut faire attention parce que nous, on travaille en 3D. Donc, si on attache un collider 2D, on va avoir des petits soucis. Et donc, on a des capsules, voilà. Sauf que je voulais pas lui donner la capsule. On a des cercles, le cercle c'est en 2D forcément. Sinon, on a la sphère en 3D. Voilà, donc ça nous permet. On a des mesh collider aussi, qui reprend la forme de l'objet, mais c'est un petit peu plus complexe parce que ça demande beaucoup plus de ressources, puisque forcément. En fonction du nombre de polygones qui va être créé, les calculs sont souvent gourmands. Donc, on essaye de limiter un peu l'utilisation des mesh colliders. Ou alors, ce qu'on fait, c'est que, alors là, je l'ai mis par exemple. Vous voyez que ma mine, en fait, alors elle en aurait techniquement pas besoin. Mais ça, c'est pas grave, c'était juste pour quand j'ai fait mes tests, mais ça, je pourrais l'enlever plus tard, c'est pas grave. Là, je l'ai mis convexe, en fait. Donc, si j'enlève le convexe, alors c'est pas tant pour moi, c'est la ligne, voilà. Si on enlève le convexe, voilà. En fait, là, il va vraiment détailler la forme de l'objet. C'est-à-dire que là, le mesh collider va vraiment prendre la forme exacte de l'objet. Mais ça peut être très gourmand en ressources, puisque il faut calculer. Alors si on a 2-3 objets, ça va. Si on commence à en avoir une centaine, c'est plus la même chanson. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les met convexes. Et vous voyez que là, il essaye en fait. Alors il va pas être tout à fait précis. Alors si on regarde là, vous voyez un trait qui passe, qui part. Et donc là, il essaye de coller au plus près de l'objet. Mais il va faire des, là, par exemple, vous voyez, il passe pas autour du bois, il va pas prendre, il va faire un trait direct de l'extrémité de l'objet jusqu'à une autre extrémité, en fait. Ce qui réduit le nombre de polygones, donc ce qui réduit aussi la consommation de ressources. Voilà. Mais là, comme je disais, en fait, techniquement, je pourrais lui enlever puisque le joueur ne peut pas se déplacer. Alors on fait ça pour avoir des collisions qui sont très propres, mais comme je disais, ça prend énormément de ressources. Voilà. Et donc je disais, mon player a un détecteur en fait, et je l'ai transformé en trigger. Alors un trigger, ça va être une zone de détection. C'est une zone d'effet. Enfin, pas d'effet, techniquement, c'est une zone de détection. Ça permet, en fait, de détecter si un objet rentre dans cette zone, ou en sort, ou est dedans. Donc, c'est pour ça que si on regarde le script du détecteur, on a, en fait, une fonction qui s'appelle onTriggerHunter, avec un paramètre, voilà. Pardon. J'ai un bug. Un paramètre, et donc on lui dit que le paramètre c'est un collider, et on lui donne le nom other, donc n'importe quoi. En fait, on pourrait lui donner le nom, c'est juste le nom, c'est comme une variable, c'est un nom pour nous repérer. Et donc là, en fait, on a donc, je disais, le onTriggerHunter, donc ça veut dire que quand un objet rentre, qu'est-ce qui se passe quand un objet rentre dans cette zone-là, dans ce trigger? Donc là, j'ai fait une référence, donc je prends mon other, donc je dis que c'est le collider. On fait un compare tag, alors je vais vous expliquer, et le tag s'appelle interact. Donc là, en fait, si on retourne dans Unity, je prends ma mine, et ma mine a en fait un tag ici, interact. Donc en fait, on va pouvoir donner des tags, donc des noms
propres à des objets pour savoir, et ben voilà, pour leur donner, faire référence, pardon, par rapport aux tags, et pour être sûr qu'on fait référence à ce genre d'objet et pas à un autre. Par exemple, si dans un jeu de survie, si on crée des items pour les ramasser, qu'on puisse ramasser, ben on va créer un tag item et on le donnera à tous les objets qu'on peut ramasser, par exemple. Là, en l'occurrence, j'ai créé un tag interact. Donc, si on regarde le château ici, donc le castle a aussi un tag interact. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va approcher de ces objets, comme je vous ai montré dans la console, quand on se déplace, t'as, par exemple, voilà, quand on est à proximité de la mine, eh ben, on a donc ça c'est, on a une référence, on sait que voilà, on est près de la mine. En fait, c'est par rapport à ici. Donc j'ai fait un debug log. Debug log nous permet en fait de mettre des infos dans la console, bah, pour savoir si le code se passe bien, si ce qu'on cherche à faire se produit. Donc là, si j'enlève ça, j'aurais pas moyen de savoir s'il détecte bien l'objet ou pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un debug log. Donc je lui ai demandé de m'inscrire dans la console, donc l'objet interactable, et je récupère le nom du GameObject. Et si on va dans Unity, si on prend notre mine et qu'on regarde son nom ici du GameObject, c'est bien mine. Et si on fait le château, donc c'est Castle. Ce qui fait que si en fait un objet interactable rentre dans le collider, donc dans le trigger, dans la zone du détecteur, eh ben on va avoir un message dans la console qui va s'afficher. Donc si je fais ça, je me fais avoir à chaque fois. Je vais prendre mon player, voilà. Hop, voilà. Si j'avance, voilà, on voit bien, il a bien détecté la mine en fait. Donc je sais que mon détecteur fonctionne. Et si je vais normalement près du château, en attaque, on devrait avoir un castle qui va apparaître dans la. Voilà, on a bien un castle qui est apparu ici dans la console. Donc le détecteur fonctionne correctement. Et ça va servir en fait, en fonction de l'objet qu'on va détecter, on va pouvoir lui dire bah, d'afficher tel truc. Là, en l'occurrence, ce sera un bouton, par exemple, qu'on peut faire explorer la mine, entrer dans le château. Voilà. Tac. Alors, m'a pris, je vais enregistrer, c'est pas grave. Ok. Et donc pour le déplacement, eh ben si on prend nos petits polygones, ils ont un script, donc qui est le click detect, tac. Voilà. Donc c'est un peu la même chose là que pour le player movement. Donc là je fais des références. Donc la référence ça c'est un GameObject et c'est mon joueur. Donc je fais la référence du GameObject player, donc de mon joueur. Alors en fait, là je précise, je mets le nom de variable player, parce qu'en fait le GameObject, le souci c'est que tout est un GameObject dans Unity quand vous mettez un objet. C'est-à-dire que ma mine, c'est un GameObject. Voyez, là, elle a le petit cube là qui dit, voilà, la forêt, c'est un GameObject, le château, c'est un GameObject. Voilà, donc vous avez compris l'idée, tout ce qu'on met dans notre scène, c'est un GameObject. Donc moi, pour savoir à quel objet je veux faire référence, je mets player, et comme ça, il apparaît ici, voilà. On a le GameObject, donc player, et j'ai pris mon player et je l'ai glissé dedans. Comme ça. Hop. Ah, excusez-moi, je range un petit peu. Enfin, je replie tout ça parce que voilà, c'est le bordel. Voilà. Donc là, je fais référence à mon player. Et là, pareil, je fais référence donc au NavMesh de mon player. Comme pour le déplacement. Là, ce qui se passe, donc on a une fonction update. Donc comme je disais, le date, hein, voilà. C'est tout ce qui se passe, tout ce qu'on a besoin de détecter
continuellement, constamment. Donc on le met dans l'update. Donc là, je fais un input get mouse button, donc c'est le clic de la souris. Donc 0 c'est le clic gauche et 1 c'est le clic droit. D'ailleurs, il y a 2 aussi pour le clic de la roulette, normalement. Donc ici, je fais un. Alors, je fais un recast. Alors, les recasts, c'est super important dans Unity, ça nous sert à énormément de choses. Donc là, on le verra pas, mais en fait. Si, on le verra, parce que normalement, il est dessiné. Si on prend le player. Est-ce qu'on le voit le... Tu veux pas me... Bref. Donc le recast c'est un trait. C'est un trait invisible qu'on va tirer d'un point. Donc on décide de quel point. Par exemple, je pourrais très bien faire un recast par exemple de la tête de mon perso, tirer un trait qui serait donc invisible pour le joueur, hein, forcément. Donc tirer un trait et en fonction c'est-à-dire qu'on peut détecter en fait ce que touche le recast. Et donc en récupérant ce que touche le recast, et ben c'est comme ça que par exemple on peut ramasser des objets dans un jeu. On va faire un recast alors on peut le faire à l'infini, on peut le faire d'une certaine distance, on peut le faire d'une longueur. C'est pour ça que dans certains jeux, vous allez avoir une certaine distance où vous pouvez ramasser des objets. Vous pouvez pas les ramasser de n'importe quelle distance, vous êtes obligé d'être à côté. Parce que le recast a une certaine distance, et quand vous regardez l'objet, le recast touche l'objet, et en fait c'est ça qui fait que bah, vous pouvez le ramasser ou pas à une certaine distance. Voilà. Et le recast peut servir à tout et n'importe quoi en fait. Et donc là on fait donc je fais un physique recast ray. Donc en fait on va récupérer ce recast et on va enregistrer ce qui touche dans une variable hit. Donc comme ça on sait ce que le recast touche. Donc ça je vous l'expliquerai après. Donc là on récupère donc le hit, donc on récupère ce que le recast touche. Voilà, et je lui dis que si l'objet a un composant click detected, donc ça c'est si on regarde mes polygones là, enfin pas mes polygones pardon, mes hexagones, ils ont un script click detect. Et donc click detect c'est un composant de type script. Et donc ici, je fais référence à ça. Donc je dis que si l'objet que le recast touche a un composant, donc click detect, donc je fais mon debug, je vais enregistrer le nom de l'objet que le recast touche, et je lui demande d'afficher sa position en fait. Voilà, et donc il va m'afficher les coordonnées x, y, z de l'objet. En fait, c'est surtout pour voir si ça fonctionnait bien. C'est assez, comme je vous ai dit, le debug log, c'est juste pour voir s'il n'y a pas de souci. Donc, je fais un vecteur 3. Je crée une variable vecteur 3 qui est destination player, puisqu'en fait, sur l'objet sur lequel je veux cliquer, je veux que le joueur se déplace vers la position de cet objet. Donc, je fais, on fait un new. Puisqu'en fait, on va définir une nouvelle destination au joueur à chaque fois qu'on va cliquer sur l'objet qui détient le click detect. Et donc, je lui dis que sa nouvelle position à mon player, donc je l'enregistre. Alors, c'est compliqué de. Il faut bien comprendre que on enregistre juste les valeurs de position de l'objet sur lequel on clique dans la destination player, dans cette variable. Et donc les valeurs que j'enregistre, c'est la position X de l'objet que le recast touche, la position Y du player, elle est là, c'est la position Y de l'objet. C'est-à-dire que ça va être... parce qu'en fait, comment vous expliquer? Si on crée des niveaux, en fait c'est pour que si par exemple je crée un niveau comme ça, voilà, que le joueur puisse se retrouver au niveau du sol, parce que si je fais pas ça, voilà ce qui se passe.
Voilà, on va avoir le perso qui va rentrer dans l'hexagone et c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, je lui dis que la position X est égale à la position X de cet objet, ce qui fait que le joueur, eh ben, automatiquement, il remontera à la bonne hauteur en fait. Donc on enregistre juste la hauteur de cet objet pour que bah, on l'applique au player. Et pour ne pas qu'il se retrouve la tête dans le sol. Et ensuite, bah, on fait pareil, on prend la position Z de l'objet. Et ensuite, donc on fait référence à notre player agent et on lui dit donc de faire un set destination, donc d'aller vers la destination player. Donc quand on clique, on enregistre la position de l'objet que le Recast touche dans destination player et on le définit comme étant la nouvelle destination au mesh agent de rejoindre. Voilà, alors, c'est simple en vérité, hein. C'est vrai qu'après, dans le code, ça paraît compliqué, mais techniquement, la logique est super simple en fait. C'est juste on clique, on récupère la position de l'objet sur lequel on a cliqué, on l'enregistre dans la variable destination player et on dit que bah, le navmesh, donc notre joueur, doit se déplacer vers cette destination. Voilà. Et donc, et ben j'en suis là. Je voulais refaire les scripts, mais je me suis dit, bon, c'est pas tant qu'à faire, autant vous les expliquer comme ça, c'est pas dérangeant non plus. De toute façon, on va en faire plein d'autres, hein. Il y a de fortes chances. Du coup, oui. Il faudra que je regarde le petit souci que j'ai au niveau du détecteur. Pour ne pas qu'il me gêne quand je clique sur les hexagones. Ok. Donc là, on est on va faire, l'interface aussi pour faire afficher un bouton quand on va détecter soit la mine, soit le château. Donc, on va se faire un petit UI. Alors, ah, la caméra, j'ai pas utilisé Cinemachine pour ceux qui connaissent un petit peu Unity. Cinemachine, c'est. Non, c'est pas nouveau en soi, enfin, ça fait un petit moment qu'il existe, mais c'est un système pour déplacer la caméra. On crée des caméras virtuelles et on peut, par exemple, switcher entre caméras, ce qui fait qu'on peut attirer l'attention par exemple du joueur sur un endroit ou une cinématique, et ben on va faire une caméra virtuelle et on va switcher entre ces caméras. En gros, c'est un peu ça le truc. Donc là j'ai pas utilisé Cinemachine, j'ai utilisé voilà, Strategy Camera Light, qui est un asset qui est dispo sur c'est un asset gratuit qui est dispo sur le Unity Asset Store. Voilà. Et donc c'est celui-là que j'ai utilisé. Parce que bah, je le trouve très bien. Donc on peut le configurer aussi. On peut la configurer et tout. Donc là c'est vraiment. Je l'ai laissé tel quel. Hein. J'ai rien modifié pour le moment dessus. Je la retravaillerai un petit peu après. Pour l'instant, c'est très bien pour ce qu'on a à faire. Voilà, donc on a le zoom, voilà. Le clic droit, on peut déplacer la caméra et le clic de la molette de la souris, on peut faire les rotations. Donc c'est pour moi largement suffisant. Ok, pour l'instant. Ça fonctionne pas trop mal, mis à part, comme je disais, le souci qu'on a avec le détecteur, mais ça, c'est pas grave, je vais régler ça plus tard. Pour l'instant, ça nous empêche pas vraiment de faire ce qu'on a à faire. C'est des petits détails qu'on réglera. Ok, donc je disais, on va se faire un UI. Donc une interface utilisateur.
Donc ça va être tout ce qui est information qu'on doit afficher à l'écran, la vie du perso, les objets qu'il a, qui sont équipés actuellement. Par exemple, comme vous voyez souvent les jeux de survie, on a une barre ici en bas de l'écran qui nous dit voilà, en 1 on a tel objet, en 2, voilà les barres de raccourci. Et on affiche certaines infos, plus ou moins en fonction des jeux. Donc, j'ai dit UI, voilà. On va faire un UI et on va mettre donc. On va mettre un bouton, puisque il nous faut un bouton. Alors, là, il nous a créé un canevas. Alors, le canevas, on va passer en 2D. On va double-cliquer sur Canva pour qu'il nous l'affiche. Voilà. Alors là, c'est la résolution de l'écran en fait. Alors, faut pas paniquer, hein. Vous voyez en grand comme ça, mais c'est normal. C'est parce que si on regarde sur le retour de la caméra de jeu, on voit que le bouton en fait il est tout petit. Parce qu'en fait, c'est pas adapté. C'est pas parce que là notre monde est tout petit que le bouton va être énorme. Non. Le canevas 2D est adapté à la caméra. Et ce que voit la caméra n'est pas du tout ce qu'on voit nous dans l'éditeur. Je précise. Donc, on a notre petit bouton. Cool. Donc, on peut lui mettre un texte. Tac. On va mettre par exemple explorer. Voilà. Alors après le texte, on va pouvoir le mettre, on le fera dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction de l'objet qui sera détecté, on pourra modifier le nom qui sera mis sur le bouton. Certainement après, on mettra aussi peut-être une image ou ça, on pourra voir ça après. Pour l'instant, on va faire un truc basique. Notre bouton, on va le mettre en bas à gauche. On va faire comme ceci. Voilà. Ok. Alors, on va lui. Alors, là, on appuie sur le Alt et en fait, il a déplacé automatiquement. Alors, on a un point d'ancrage. Alors, le point d'ancrage va nous servir en fait, comme son nom l'indique, à ancrer l'objet à un certain point. Comme là, par exemple, je l'ai mis en bas à gauche. Ce qui fait que si, par exemple, on redimensionne la fenêtre de jeu, eh ben, il sera toujours affiché en bas à droite. Ce qui permet d'avoir des résolutions d'écran différentes et que l'objet reste bien à sa place. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je configure le canevas en conséquence. On va faire un scale with screen size. Voilà. On va faire du 1920 sur 1080 qui est aujourd'hui la résolution généralement de base. C'est rare de trouver des résolutions plus basses. Je parle sur les écrans de PC, hein. Bien entendu. Et puis ben, là c'est bon. Voilà, on va laisser ça comme ça, c'est parfait. Alors, du coup, on va regarder notre bouton. Paraît plus petit. Ouais, ça va. Hop là. Donc, il va falloir qu'on décale tout ça. Il m'a pas mis un texte, mais je crois, là. Ah, attendez. On va virer ça. On va lui en mettre un texte, mais je crois. Voilà, au bouton. On va le définir sur la taille du bouton. Alors là, c'est normal qu'on ne le voit pas parce que le texte est en blanc. On va le mettre en noir. Voilà, tac. Et on va lui donner OK. Hop.
Oui. Hop. Pourquoi il m'affiche pas mon. Ah mince, mais je l'ai pas. Quel con. J'ai pas installé le. Voilà. Je n'avais pas installé le. Text Mesh Pro. Et c'est pour ça. On ne voyait pas le texte. On est du 32. Oula, non, 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 32, c'est 32, c'est trop. 22. Ah ouais, du 16. Je réponds à mon bon roi. Voilà. Qui avait le roi de Ludie, Ludixel. Allez faire un tour sur sa chaîne, et très bien. D'ailleurs, on va en profiter. Non, j'ai perdu mon bon roi. J'ai égaré lui. Youh! Je sais que ce bise. C'est quoi ce bordel? Ah, j'avais autant de monde que ça. Oh, punaise. Voilà. Je lui dis. Excellent. Donc. Oui, ok, oui, c'est bon. Pas de soucis. Alors, tac, 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 on va configurer. On configurera plus tard notre bouton. Pour l'instant, on va le laisser tel quel, hein, il n'y a pas besoin de. On va juste le décaler un petit peu. Ok. On va peut-être le remonter encore un peu. On va augmenter un peu le décalage. Voilà. Pas qu'il soit collé non plus contre le bas de l'écran. D'ailleurs, après c'est des petits détails hein. Mais bon c'est pour donner au moins une idée de la chose. Ok, donc maintenant on va renommer notre bouton pour voilà. On a le bouton interact et on va faire on va juste mettre le nom comme ça. On va lui donner un nom à notre bouton. Ok, super. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que on va désactiver notre bouton puisqu'on ne veut pas qu'il soit visible par défaut. On va fermer save. Tac. Alors on va juste hop là retourner ici. On va prendre le détecteur. Ok. Donc
on va afficher notre bouton en fonction de l'objet qu'on aura détecté. Ok. Donc on va déjà faire un truc de base. Alors on va faire un using.ui. Voilà. On pourra faire référence au canevas, puisque sinon on ne pourra pas utiliser les boutons et tout ça. Donc on va faire un petit service field. On va le mettre en private et on va mettre button. Et donc c'est notre bouton. Direct qu'on veut récupérer. Donc on va l'appeler comme ceci, notre variable. Ok. Hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que si on retourne sur Unity, on va laisser compiler. Et normalement, dans notre détecteur, on devrait avoir... Enfin, il va nous demander la référence du bouton. On va le laisser compiler tranquille. Allez. Très bien. Ok, voilà. Donc on a notre bouton interact. On va juste le glisser dedans. Voilà. Donc notre référence est faite. Maintenant, on va lui dire que bah simplement d'afficher notre bouton. Donc on va faire bouton interact. Point. Enabled égale true. Parce que là elle est false en l'occurrence. Ok. Maintenant ce qu'on va faire aussi, bah c'est que. Alors. Je vais vous montrer. Hop, normalement, on va le laisser compiler. Je suis en train de compiler le script, hein, parce qu'à chaque fois qu'on fait une modif, il recompile. Ce qui est normal. Voilà. Il finit de recompiler notre script. Ok. Thierry. Tac, on va maximiser la fenêtre de jeu pour que vous voyez bien. Voilà, donc normalement, si tout va bien, faut que j'inverse la souris parce que ça me perturbe. Si tout va bien et qu'on se déplace, et ben non, il n'a pas voulu nous l'afficher. Pourquoi donc? Ah si, tu as bien détecté la mine. Alors pourquoi tu m'affiches pas mon... Ah mais... Mais non, n'importe quoi. C'est normal. C'est pas le bouton. C'est le game object qu'on veut activer. Forcément. C'est un set active. Voilà, ça fonctionnera mieux. J'ai dit, tout est un game object. On laisse ça compiler. J'ai un petit peu de mal là. Voilà. Donc forcément, comme j'ai changé, il a perdu la ref. Donc on va lui redonner la référence. Et là, ce n'est plus un bouton, mais bien un game object qui cherche. Voilà. Tac.
Tac. Ça fonctionne un mieux. L'activation du bouton en lui-même, c'est autre chose. Alors, tac, tac. Allez. Voilà, on a bien notre bouton qui apparaît. Le souci, c'est que si on s'en va, du coup, le bouton, eh ben, il reste affiché en fait. Du coup, il va falloir qu'on règle ce petit détail. Ok. Et bon, on va régler ça. Donc, le principe que le on trigger enter, on va faire un on trigger exit. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on sort du collider? Donc là, on va refaire comme ceci. Ça, on n'en aura pas besoin. Hop, voilà, et là on va faire false. Donc là ce qui se passe, c'est que si on sort du trigger et que le tag de l'objet qui sort est interact, et ben on cachera le bouton. Et normalement, si point de bêtise je n'ai dit. Voilà. On va relancer ça. Ok. On va afficher ça en grand. Tac. Donc on a bien notre bouton. Qui s'affiche, et si on sort, hop, voilà, notre bouton est masqué. Voilà, parfait. Cool. Donc logiquement, ça devrait aussi fonctionner pour le château, puisque ben, le château est aussi un tag interact. Donc voilà. Et si on sort, voilà, ok, parfait. Super. Ça fonctionne comme on veut. Donc il n'y a plus qu'à mettre à jour aussi, du coup, le nom du bouton. Donc il faut qu'on récupère bah, le texte, hein, puisque c'est un texte. On va faire un serialize field create. Alors là, il va falloir qu'on fasse un using. TMP Pro qui est pour le Text Mesh Pro. Voilà, sinon on va pas pouvoir faire la ref à notre texte, donc qui est le texte Text Mesh Pro Your Guy. Voilà, et on va faire un txt name, on va faire un bouton interact, voilà comme
comme ça au moins on sait de quoi il s'agit. Ok, donc on va le laisser tac. Donc on fait txt name bouton interact point texte, puisque c'est le texte qu'on veut mettre à jour. Et maintenant on va lui dire ce qu'on veut écrire. Donc là, ce qu'on veut écrire, nous, ça serait ça va être différent en fonction de l'objet qu'on a détecté. Donc si par exemple on fait explorer, on va sauvegarder tout ça, hop. On va le laisser compiler. Et normalement, notre joli bouton ne devrait plus marquer lié au texte, mais explorer, logique. Ah oui, tant pour moi. J'ai oublié de faire la ref. Hop là. Du texte, je crois. Voilà pourquoi. Il y a bugué. Donc là, j'ai sélectionné dans la console de mettre en pause le jeu quand il y a une erreur. Ce qui permet de, voilà, au moins de voir ce qui se passe. Notre bouton s'appelle bien explorer. Parfait. Maintenant, le truc, c'est que si on va sur le château, et ben c'est pareil, on a exploré. Maintenant. Qu'on pourrait faire, c'est faire si donc si other pas object, voilà, si other point game object point name est égal. Alors c'est un double égal, voilà, est égal à name, tac, on va faire comme ça, hop, on va copier ça, on va faire un else, tac, tac, CTRL V. Si c'est Castel, on va mettre entrée, voilà, tac. Voilà, donc normalement s'il détecte donc l'objet avec le tag interact et que son nom au GameObject est min, il va mettre explorer. Si c'est castle, il va mettre entrée. Et on va tester ça de suite.
On va maximiser. Donc on a bien exploré ici. Hop, on va aller vers le château. Et normalement. Ah, t'as pas fait moche. Pourquoi? Pire que. Ah, mais j'ai mis Castel au lieu de Castel. Forcément, ça peut pas bien fonctionner. Je sais plus ce que j'ai pensé, je me suis revu taper le truc, j'ai fait oups, j'ai bugué. On va faire. Tac. Voilà, normalement, cette fois-ci, tout devrait fonctionner correctement. On a bien exploré, on va aller vers le château. Ah bah non, alors là non. C'est quoi ce bordel? Tu me modifies pas le nom. Va essayer de faire directement les ifs. C'est si, mais Castel, je me suis pas trompé dans le. Hein? Si, si, non, c'est bon. Alors, on va rectifier, hein. Ça fonctionne. C'est juste que je viens de m'apercevoir que. C'est important d'avoir bah non, Castel. Je croyais qu'il y avait une minuscule parce que dans la console il y a une minuscule. Mais non, voilà, c'est bien ça. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai mis un ground, donc j'ai mis un hexagone, hein, en dessous du château, forcément il est sur le sol, et j'ai donné le nom Castle avec la majuscule, mais si on regarde le château lui-même qui a lui le tag interact, il est en minuscule, c'est pour ça que ça marche pas, parce que la caste n'est pas bonne. Donc il faut mettre une majuscule au Castle. Voilà. Parce qu'on voit bien qu'il récupère pas celui avec la majuscule, mais celui avec la minuscule, forcément, puisque si on regarde ça, c'est le sol, mais le sol, lui, n'a pas de tag interact. C'est le château qui a le tag interact. Et c'est pour ça que dans la console, on a Castle avec une minuscule et pas une majuscule. Et dans notre script, on lui dit bien de chercher l'objet avec Castle, avec du nom Castle, mais avec une majuscule. Et la caste est très importante. Il faut que ce soit exactement écrit pareil. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un override. Voilà. Alors, l'override, c'est parce qu'en fait, quand... Je vais vous expliquer, hein, parce que si, par exemple, on prend... Là, médiéval, voilà. Tile. On a les voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on prend un objet, voilà, tac. Et par exemple, je fais ça. Voilà. En fait, si je sélectionne ces deux-là, en fait, que je vais... Alors, il faut que je crée un empty. Par exemple, je vais mettre... voilà, Jean. Tac. On va mettre ces deux-là dedans. Voilà. Ce qui fait que ici, je déplace les deux en même temps. Bon, après, il faut recentrer le truc. C'est normal. Là, c'est normal qu'il soit à côté. C'est juste pour vous expliquer. Et que, en fait, on peut créer ce qu'on appelle des préfabs. C'est-à-dire que là, si je veux garder ça comme ça, je vais pas m'amuser à chaque fois à refaire, à reposer l'hexagone, à reposer le champ dessus. Ça, voilà, c'est une perte de temps pour rien. Donc, ce qu'on fait, on crée ce qu'on appelle des préfabs. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon champ, je fais ça, je crée une préfab, et après, je peux m'amuser à repositionner cette préfab. Et voilà. Ok. Donc on crée des préfabs, voilà. Et c'est pour ça que j'avais donc le sol et le... Et donc je me suis amusé à créer donc là le château. Voilà, il y a le sol et le château en lui-même. J'en ai fait une préfab. Et quand on fait un override, c'est-à-dire que si je change des infos ici, si par exemple je vais désactiver ça, si je prends mon castle, il va me dire, voilà, il me propose de faire un override, c'est-à-dire d'enregistrer la modif pour tous les préfabs qui sont actuellement dans la scène et celle qui est enregistrée. Voilà. Et comme ça, en fait, l'avantage de faire un préfab, c'est que si on fait une modification donc sur un préfab, elle sera enregistrée pour toutes les autres. Parce que sinon, je me vois mal refaire un par un, là, par exemple, et puis faire la modif sur chacun d'entre eux, quoi. C'est... Bon, merci. Voilà. Tac. Tac. Ok. Donc, on en était à notre petit bouton. Logiquement, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Cette fenêtre. Voilà. Donc, on va venir près de notre mine. On a bien exploré. Et si on va prendre le château? Voilà, on a bien entré. Donc notre bouton est mis à jour dynamiquement en fonction de l'objet qu'on détecte. Voilà, parfait. Donc après, il faudra faire du refactoring. On refera ça plus proprement, mais pour l'instant, on a quelque chose de fonctionnel. À réorganiser un peu tout ça. Cool. Et ben voilà.
Parfait, parfait. Ok. Alors. Cool. On va faire un petit truc aussi. Ah, c'est une map test, hein. C'est juste pour faire les tests. Bien évidemment. Alors normalement on a plusieurs persos. Alors ce que j'ai fait c'est que tac, si on va dans le donjon, on a des characters et on en a quatre différents. On a le barbare, le chevalier, le mage et le rogue, c'est. Oui, le rogue, c'est ça. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni tous ces persos en un seul. Donc là, si je prends mon personnage ici, tac, par exemple, donc ça c'est son corps, on a la tête, on a le bras droit et le bras gauche. Ok. Donc, on peut enlever la tête. Mettre la tête de notre barbare. Et on a un magnifique barbare en armure. Donc là, du coup, ce qu'il faudra faire, c'est désactiver le corps du chevalier et activer celui du barbare. Voilà. Et pareil, bah, pour ce qui est bras droit et bras gauche. Voilà. Et là, du coup, on se retrouve avec un barbare. Et si on fait normalement, tout fonctionne pareil. Hein. C'est juste qu'on a changé l'apparence du player. Et donc après, on peut s'amuser à rajouter tout un tas de persos. Et que les animations fonctionnent, il n'y a pas de souci. On peut se déplacer. On a bien notre bouton qui apparaît. Pas de soucis. Voilà. Ok. Et donc ça, on peut le faire donc dynamiquement. Créer une sélection de perso et en fonction du perso sélectionné, on va activer et désactiver les parties du corps qui nous intéressent. Là, c'est pareil avec le joueur, on peut soit enlever le casque, soit enlever la visière. Voilà. Ça, faudrait le faire sur une. Ah, on va faire une save de la scène. Mais je ne l'ai pas modifiée de toute façon et elle est là. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle scène. On va la créer. Ah bah non, j'ai le. Oui, j'avais créé celle-là. Bah voilà, on va prendre celle-ci, c'est pas grave. Tac. On va pas mettre map test. Je vais remettre. Puis ouais, test. Voilà, parfait. Donc là, on va passer en 2D. On va. Je vais ranger un peu la hiérarchie parce que
c'est le bordel. Voilà. Tac, tac. Et on va faire UI. On va mettre le canevas déjà. Alors, le event system va être le canevas. Ça gère tout ce qui est recast pour l'interaction, tout ça, avec les boutons, avec, avec tout ce qu'on peut mettre dans l'interface. Donc on va double-cliquer sur notre interface et voilà. Alors du coup, je suis en train de penser, j'ai pas d'image de, pas d'image des persos, je crois. Ouais, on n'a pas d'image. Et si on fait ça, ça va être catastrophique. Non, ça va. Mais il est tout petit. Comme ça, on met nos persos. Voilà, tac. Oups. Voilà, tac. On va aller chercher 180. Voilà. Donc, soit on fait nos persos comme ça, et on met en dessous un bouton sélectionné, puis on le sélectionne. Ou alors, on fait vraiment un truc complet. Je pense qu'on va faire comme ça pour l'instant. Ouais, on va faire comme ça. On a dit 64. Ok. Mais du coup, il va falloir. Oups. Ok. Ensuite, donc on va faire un petit. Ok. Tac.
on va se faire un petit bouton. Legacy Battle. Et je crois pas que ce bouton est un texte mèche. On va donc supprimer ça. Ok, on va faire. On va centrer tout ça. On va lui mettre une couleur noire. Ok. Ah oui, mais on a un souci. Eh oui. Il semblait bien parce qu'il est en 3D. Ah oui. Il a pas la même... position. C'est pas grave, ça nous donnera une idée du truc. Donc il faut faire des images. Bon, au moins on a une idée de ce que ça donnera. On va faire juste des images de face. D'ailleurs, on peut... Alors, non. Tac. J'ai juste fait une capture d'écran pour récupérer les... Pour l'instant, on va faire comme ça. C'est pas très grave. Voilà. Au moins qu'on ait et non oh tac ah il m'a enlevé ma sélection. On va copier-coller. Hop. On va faire comme ça. Tac. Alors, petit bouton.
rien vu dans les projets de détective. Allez, juste mes images. Hop. Et normalement. Voilà, on a fichu image. Okay, super. On va juste. Hop, 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 hop. Pour l'instant, c'est pas grave, c'est juste c'est un peu grossier, mais on arrangera ça plus tard. On a bien. Ok. Ok, super.
pas mal. Au moins, on a un support visuel pour voir ce que ça donne. Voilà. Qu'à enregistrer ça pour la sélection. Après, on pourra leur donner on pourrait faire un petit truc en dessous. Alors, ça, on verra avec. Il faudrait importer un UI. Voilà. Il faudrait que j'importe un UI. Je sais pas si j'ai quelque chose de lisse. Oh. Ah, donc un truc comme ça en fait. Une interface utilisateur, voilà. Qui me permettra d'afficher nos infos. Je regarderai si je trouve un truc sympa. On mettra des panels en dessous là, puis avec je sais pas, des caractéristiques de chacun. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. On pourrait faire un petit. Hop. On va mettre. Oups. Voilà, on va. Voilà. Et donc. On va refaire un autre appli et on va mettre panel stat. On va donc faire une image. Et on fait quelque chose comme ça. Donc voilà un petit panel comme ça. Voilà.
C'est du fonctionnel, hein. On retravaillera tout le design plus tard. Ok. Eh ben, bon, y a de quoi faire déjà. Il y a une petite base de travail qui sera sympa. Je vais faire une petite pause. Je vais petit déjeuner tranquillement. En même temps, je vais voir ce que je trouve comme UI. Et puis, bah, on continuera ça. Tranquillement. Faire une petite map pour l'exploration de la mine. Et une petite map pour l'exploration du château. Faut faire un village aussi. Je vais faire. Je crois qu'il y a des maisons si je me dis pas de bêtises. Non, ça c'est des icônes. House, voilà. Lumber mill, market. Le moulin. Le moulin haut. Me faire des remparts, hein. Il y a le puits, ok, d'accord. Donc on utiliserait juste tiens, ici, je suis resté en 2D ici, on va faire comme ça. Voilà, par exemple, on pourrait. Et puis voilà, déclarer ça comme village ou ce serait des fermes. Ok. Et on pourrait vers les villages pour récupérer des missions, voilà, à faire. Par exemple, aller récolter des minerais dans la mine ou des cristaux, des trucs comme ça. Ok. Ouais, c'est sympa. On verra ça. Ok, bon, allez, je fais ma petite pause, je vais petit déjeuner parce que je suis à 4h du mat là. Allez, je vous abandonne là. Je vais petit déjeuner. Bon petit déjeuner à vous. Comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses en fonction de quand vous regarderez cette rediff sur YouTube. Voilà. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, bye bye tout le monde.